Bienvenue ici à Saint-James-sur-Loire, tout près d'Angers, au Red Bull, en compagnie, comme d'habitude, d'Hélène Parker. Bonsoir Hélène. Bonsoir Bruno. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les matchs en équipe, la série Femmes. Et l'équipe Sirius attaque avec Christine Richard, du club des Roquettes Nantes. Et Le 6-10 avec une boule qui arrivait un petit peu pleine, presque à gauche. Finalement, elle s'en tire bien. De laisser que c'est de qui. Et donc, Isabelle Chevet du club de l'ABC, l'Angers Bowling Club. Donc, elle joue quasiment à domicile. Gauchère. Elle a déjà participé à cette belle compétition qui est la Cubic AMF Bowling Promotion Cup. Ah, dommage, elle attaque avec un gros split. Regardez cette boule au ralenti qui arrive vraiment très serrée. Et elle laisse la 6, la 7 et la 10, autant dire une figure très dure à réaliser. Peut-être une boule un petit peu lente. Alors je vous rappelle aussi le huilage 41 pieds. Mais un huilage avec beaucoup de friction en fin de piste. Donc il faut avoir un petit peu de vitesse de boule pour bien jouer sur ces pistes. Christine va tenter son spare. Et qu'elle réussit parfaitement. Un bon début de partie pour l'équipe Sirius. L'équipe Sirius, effectivement, la capitaine d'équipe, c'est Estelle Bain, que vous verrez tout à l'heure et que vous connaissez. Vous l'avez déjà vu. Et la capitaine de l'équipe Vega, c'est Maria Gauchel, la joueuse russe. Allez, Isabelle. Ouais, non, elle rigole. Et donc, elle attaque avec un throw, une open frame. Martine Joyot sur cette deuxième frame qui est une des joueuses locales. Avec un geste très tendu, elle laisse deux quilles. Elle laisse le baby. Elles ont remplacé des joueuses internationales qui n'ont pas pu participer. Donc elles ont été sympas d'accepter de jouer au dernier moment face aux caméras de télé. C'est jamais facile. Jacqueline Marinkovic, la joueuse du Michigan. Oh, yaya, elle rigole pour commencer ce match. Elle attaque de la plus mauvaise des façons, la joueuse américaine. Alors bon, à sa décharge, elle a un problème de pouce. Elle s'est fait très mal sur l'étape précédente pendant les qualifications. Et donc, elle a quand même joué. C'était pas facile. Hein. Martine Joyot qui vient de lancer sa boule et qui la rate malheureusement. Allez Jacqueline, il va falloir rectifier la rigole de la première boule. Et 6, alors décidément une boule dans la rigole à droite et une boule à gauche pour son deuxième lancer. Elle n'est pas du tout dans le coup pour le moment, la joueuse américaine. Alors j'ai envie de dire qu'on passe aux choses sérieuses. Sur la frame 3, Amy Vial. On a découvert déjà l'année dernière une joueuse d'un certain niveau. Elle laisse une quille. Elle laisse la quille numéro 7, regardez. Avec cette boule qui arrive un petit peu trop serrée. Eh oui. Et elle laisse cette quille numéro 7. Allez, on découvre maintenant Pauline Robin. Jeune joueuse des Dragons de Colmar. Joueuse très sympathique. Et je pense que c'est sa première finale télévisée. Avoir un petit peu de pression, Pauline. Et elle attaque pas si mal en laissant que la quille numéro 2. Amy sur le spare. Aucune difficulté. Les choses roulent plutôt bien pour l'équipe Sirius. Et regardez, on revoit un petit ralenti de la boule de Pauline. Avec une boule, regardez, qui a manqué un petit peu de friction en fin de piste. Et elle arrive très très fin. Mais bon, néanmoins, un spare relativement facile pour elle, je pense. Avec une boule de spare. Oui, aïe, 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 ouais, aïe, ouais, j'ai vu ça dès la pause. Elle rate. Ouais, ça fait pas les affaires de l'équipe Vega, ça. Une nouvelle tête sur la tournée, Carolina Munoz, espagnole.
joueuse de l'équipe nationale d'Espagne. Allez, c'est parti. Elle laisse une quille. La quille numéro 3. Avec une boule qui a vraiment trop attaqué. Ouais, regardez. Et c'est normal hein, qu'elle ait cette quille numéro 3. Et donc, maintenant, pour la frappe numéro 4, Varvara Kryaznova, la joueuse russe, membre de l'équipe russe, jeune joueuse très talentueuse. Avec une très bonne boule, hein, vous avez vu, et elle laisse la quille numéro 10. Regardez cette boule, ouais, on voit très très bien l'arrivée de la boule et la quille 6 qui est passée devant la 10. Et donc dans l'équipe Vega, donc il y a Maria Gauchel hein, qui finira en joueuse numéro 5. Et Carolina, on a entre-temps rate ce spare. C'est pas normal hein, pour une joueuse de ce niveau. Pour moi, le match est assez décousu. Hein. Les équipes n'arrivent pas à enchaîner les strikes ou les spares. On retrouve Varvara qui est de Moscou. Sur la quille 10, oh yaya, aïe, rigole, décidément, elles n'en profitent pas l'équipe Vega. Dommage pour l'équipe. Estelle Bain, la capitaine de l'équipe Sirius. Et un petit point sur les scores, hein, 54-31 pour l'équipe d'Estelle justement. Oh là là, ça c'est un split terrible. Ouais, elle laisse un gros split, regardez. Une boule qui arrive pleine tête. Elle a ce très gros split. Décidément, ça fait pas les affaires de l'équipe Sirius. C'est Maria Gauchel, la capitaine du team Vega. Joueuse redoutable, la gauchère. Avec une bonne vitesse. Et voilà, tout de suite, elle fait la différence. Elle fait strike. Regardez ce strike. Pleine poche. Ouais, ça fait 10. Joueuse très sympathique qui a fini 5e des derniers championnats du monde à Las Vegas. Elle assure avec les deux de gauche. Oui, et donc avec ce trou, 63-41, moins 22 pour le team Vega, pour le moment net avantage pour le team Sirius. Mais si Isabelle Chevet arrivait à doubler le strike, elle revient pratiquement dans le coup. Alors Isabelle, va-t-elle réussir? Elle a l'air pas mal cette boule. Et oui, là c'est un très beau strike. Très très beau strike de Isabelle. On le revoit d'ailleurs au ralenti. Encore un strike pleine poche, à peu près le même hein, que Maria. Avec une boule un petit peu plus lente. Elle est montée plus près de la rigole. Et très très beau strike hein, d'Isabelle. Allez là, il va falloir striker pour l'équipe Sirius. Pas de solution autre. Christine Richard. LS de qui? 8 sur cette frame 6 pour... Christine, et donc on retrouve Jacqueline Marinkovic hein, qui nous vient du Michigan. Boule à gauche. Oh, ce strike triplé en plus pour l'équipe Vega qui est en train de s'envoler dans ce premier match. Je vous rappelle aussi, regardez ce strike. Oh là là. Fait jamais plaisir pour l'équipe adverse. Et je vous rappelle aussi les règles, je vous l'ai pas dit en début de retransmission, qu'on joue sur le meilleur des deux parties gagnantes. Donc ça veut dire que si l'équipe Vega gagne deux parties, elle aura gagné le match. Ce qui met donc la pression à l'équipe Sirius. Mais Christine fait cette fermeture avec succès. Une belle fermeture de la Nantaise. Et on retrouve, hein, vous avez compris le principe du Baker System, Pauline Robin. Qui avait joué la frame numéro 3, donc elle joue maintenant la frame numéro 8. Et l'équipe, son équipe est sur un triplé, ça serait bien qu'elle quadruple pour vraiment sécuriser le premier point. Et c'est parti pour la française.
Ouais, boule à gauche, elle laisse la belle-mère, et ouais. La belle-mère là-dessus, une boule, regardez, qui arrive complètement à gauche. Et il faut quand même bien jouer, hein, ce spare. Martine Joyot sur la frame 7. Petite routine de préparation. Ah, le premier strike! Il y a en plus un Brooklyn, un strike très chanceux. Regardez cette boule qui arrive complètement à gauche. Et la King 9 qui est tombée au tout dernier moment. Allez, il faut que l'équipe Vega réalise ce spare. Ouais, bien joué pour Pauline, c'est sérieux. Le spare est dans la poche et elles doivent maintenir. Regardez, on va faire un petit point sur les scores. Mais malheureusement, il y a une boule... Il y a une boule d'avance, donc je peux pas vous dire exactement. On va voir Amy Vial, ce que va faire Amy Vial, l'américaine. Amy qui retrouve le sourire, mais qui sait qu'elle doit doubler. C'est raté pour ce coup-ci, mais c'est fermable. Elle a fait une grosse erreur pour une joueuse de ce niveau. Elle n'a pas touché la quille 1. Et Varvara va sûrement en profiter. Sur cette frame numéro 9. Une grosse concentration de la joueuse russe. Allez, c'est parti. Oh là là, un Brooklyn, Hélène, là-dessus. Un Brooklyn, ça fait jamais plaisir. Regardez cette boule qui arrive complètement à gauche. Ça fait... D'ailleurs, Amy Vian n'a pas du tout le sourire. Oui, oui, ce qui peut se comprendre. Elle ferme, en tout cas, sans aucune difficulté. Et regardez, on est déjà sur la frame numéro 10, avec Maria Cochel, la capitaine. Alors c'est étonnant, elle aurait dû normalement laisser jouer la joueuse espagnole sur la frame 9, parce que là, elle va finir la partie avant le team Sirius, donc... 139. C'est-à-dire que si elle fait strike là, le match est dans la poche. Alors, on va voir ce que va nous faire Maria. Allez, c'est parti. Parti un peu haute la boule. Ouh, aïe, aïe, elle a failli le faire, mais le match n'est pas encore totalement fini du coup. Cette boule, regardez, qui est arrivée très très fin hein, d'ailleurs à gauche. Et donc, Carolina Munoz a l'opportunité, Hélène, éventuellement de striker et de mettre Estelle Bain en orbite sur la frame numéro 10. C'est tout l'enjeu. Carolina le sait. Oh, j'y ai cru à ce strike. Quel dommage, elle laisse la 10. Elle avait vraiment bien joué. Et avec un strike, elle aurait pu mettre la pression. Alors attendez, ouais, si Maria fait le spare, ça devrait le faire. Regardez ce regard de la joueuse russe, très concentrée et très focus, hein, comme on dit. Regardez, c'est parti. Elle va pas la rater, hein, ça c'est sûr. Spare pour le team Vega qui devrait remporter déjà ce premier match. Allez Carolina, il faut fermer. Éviter de creuser l'écart. C'est très bien. Le spare est réalisé, ce serait bien que j'arrive à faire un petit point sur les scores. Mais je crois que c'est fait, hein, parce que... Voilà, alors attendez, le score s'affiche. 159, il reste une boule. Estelle Bain avec un triplé peut faire 172. Ah, attendez, c'est pas encore totalement fini. Et ça va dépendre de ce que va faire... Maria sur cette dernière boule. Et super strike de la joueuse russe. Ça, c'est sérieux. Alors, c'est pas encore fini, Hélène, je pense. Regardez ce strike encore avec beaucoup d'action pour la joueuse russe. Et regardez, il faut 2 strikes et 8 quilles, Hélène, pour que le team Sirius remporte ce point. Estelle ne se laisse pas le temps de la réflexion. Et elle strike. Strike à gauche en plus, hein, Brooklyn. Et il lui en faut encore un, c'est le plus dur. Et après 8, encore un et 8. Il y a du suspense dans ce match.
Hop, on fait un petit peu le ménage pour Estelle-Bain. On donne la boule de spare à Maria. Et une autre boule, hein, décidément. Hein, on fait le ménage sur le roman de boule. C'est des boules de spare en trop, ça. Allez, la française. Il lui faut encore un strike, Hélène, et 8. Oh là là, quelle pression! Oh, quel dommage! Elle laisse une quille et du coup, l'équipe Sirius perd ce match. Eh oui, et regardez, on la revoit au ralenti. La boule arrive complètement à gauche et elle laisse la quille numéro 5. Elle est partie là-bas, Esther. Elle allait chercher une nouvelle boule puisque le match est perdu. Elle peut faire 162 au maximum. En tout cas, ça a été un match super serré, hein, pas de haut niveau au niveau du score, parce que les pistes sont pas très faciles à jouer, hein, il y a beaucoup de friction. Mais un match au couteau. Et donc on va se retrouver très vite, Hélène, pour le match numéro 2. Hein. Oui, avec un petit écart entre les deux équipes, 162 à 169 pour l'équipe Vega. Allez, restez bien avec nous après ce break, on se retrouve pour le match numéro 2. À tout de suite, Hélène. À tout de suite, Bruno.